Tout ça ira mieux. Voilà. Comme ça, on a tous les deux. C'est bon, cousin? Tranquille, tranquille. Oh, ah, c'est lourd? Non, ça va. Oh, ça va. C'est chiant de porter toujours des facteurs. Ouais, hein. Et surtout pas partir avec Rachid parce que celui-là, c'est un danger public. Il va vous faire porter jusqu'où vous crevez. Toujours des sacs qui pèsent. Bah, putain, je comprends pas. J'ai rien. 20 kilos mon sac. 18,40 le mien. Eh ben bravo. Bon. Bon, on fait le tour. On voulait aller aux trois lacs. Et en fin de compte, on a discuté avec les gens. Et là où on s'est garé. Parce qu'on s'était pas garé au bon endroit. Et ils ont dit quelque chose à voir ici. Donc on va voir. Allez. A plus. À qui tu vas envoyer ça? Ah non, merde ça. On a trouvé la grille pour le barbecue de ce soir. On pourra faire cuire des merguez et il y aura de la place. Et les saucisses. Ah ouais. Voilà. Et les chipolatas. Bon, Julien, tu t'en occupes? Vas-y, j'attaque. Bon. Et voilà, voilà. On est pas tout à fait en haut. Mais on est assez haut. Voilà. Alors, petite réflexion de Julien Wolf. Si là on se tue, on est mort. On n'est pas dans la merde d'arriver en bas, hein. On est venu. Le petit chemin. Et là on va passer sous un pont taillé dans la roche. Apparemment. Eh bien, même quand tu es célibataire, tu as toujours quelqu'un qui t'appelle. T'es pas célibataire, personne m'a appelé, et là, t'en parles pas là. Et allez, voilà. Le petit pont. Taillé dans la roche. Kikou les petits loups. Alors bienvenue au Honeck, au lac de Gachenay. Je suppose que ça se prononce comme ça. Alors voici la vue qu'il y a par ici. Le lac. Pas trop bien comme ça, mais ça donne ça en vérité, parce qu'on voit comme ça. J'essaie de pas être trop vite, hein, mais bon. Je suis un peu fatigué. J'ai laissé Julien à l'autre lac. Et voilà. La première prise de Julien, il y a un poisson, ben, il était plus con que lui. Il s'est fait niquer. Voilà, bon ce soir il y en a une ou deux qui mangent du poisson.
Hein, comme quoi, les poissons sont intelligents, je suis pas sûr. Enfin. Bravo, Julien. Ouais, ouais, l'eau pour le café, elle est bonne là, non? Ouais. Bon, je vais faire une tasse. Non, je sais pas, vous avez gardé mes lolis. Je sais pas si c'est la tienne ou la mienne. Tiens, là, il y a les sièges, on va retrouver des pierres un peu grosses, on se passe là-dessus. Merci Myriam, pour leur donner une idée. T'as une gamelle, elle est soit dans ta gamelle, soit dans la mienne. C'est une tasse, hein? Mais non, mais faut prendre les grosses gamelles d'abord. Tu as une grosse gamelle. Ah, les grosses gamelles? Oui, c'est dans une gamelle. Il y avait une, il y a... Ah. Je pense que je vais aller là-dessus. Pourtant, je ne suis pas aussi sans plus. Ça, là? Ça vient? Non, c'est moi qui a... Non, c'est pas que je pense que c'est... C'est toi. C'est toi, c'est ça fait zoo. Bon, maintenant, on sait comment prendre la tasse sans se cramer les mains. Allez, on va voir. C'est grave, c'est chaud. Hein. Ah, merci pour les cuillères, elle est dans ta gamelle. Les cuillères. Ça va? Je pense pas, hein, sinon je pousse dedans tout de suite. Faut remettre encore un peu là-dedans. Hein. Dans, ouais. La tienne. Dans la tienne, faut remettre encore un peu. Remettre quoi? L'eau. Pourquoi? Ou ça te suffit ça? Bah, tu fais moitié-moitié, hein. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Alors, si tu me dis qu'il y en a plus chez toi que chez moi, c'est que t'as pas fait moitié-moitié. Non, chez moi, il n'y en a pas beaucoup non plus. Non, c'est moitié-moitié. Hein. Sauf que la tienne, elle est un peu plus grosse. Je crois qu'on se trouve un moyen pour faire un flambeau, tu sais.
des lumières pour qu'on en fait un peu plus. Oh, chérie. Oui. C'est pas tout ça. Oh putain, elle a descendu. Fais gaffe où j'ai posé. Il a fait une bulle carrément. Ouais. Fais gaffe. Heureusement que c'est juste le plastique. Hein. Oh, c'est chaud ça. Et tu sors des machins du machin. T'as fini de faire des conneries. C'est toi qui fais des conneries. Oh non, là, ça, j'ai pas bu l'appétit. Non. On en a plusieurs comme ça. Il prend un truc chaud encore. Allez, mais comment ça fait qu'après il était dehors de son feu? Je sais pas. Heureusement qu'il ne sera pas cramé surtout. Ouais. Combien? Hein. Pourquoi sortir la grille? Comme ça. Parce que j'ai remis. Et comment tu vas mettre pour mettre. Ben, comme j'ai fait. Hein? Comme j'ai fait. Et pour toi, je vais me battre là. Hein. Allez, chiant. Avec sucre. Ouais. Voilà, comme ça. Oui, j'ai réussi à le faire. T'as mis du sucre dedans? Non, pas le sucre. Le machin, je pense. Non, elle est mise chez moi. Hein? Le sucre. C'est ce que je vais te prendre. Non. Des petites piles. Pour les lampes. Ouais. J'ai les grandes mais pas les petites. Ouais. Les ratures, je vais faire, j'y pense, on va les mettre dedans. Ouais. Un peu, s'il te plaît. Après, je pensais pas que j'allais avoir deux poissons ici quand même. Bon, ça si on va pas loin. Hein? Et je vais pas la laisser allumer alors, si j'ai pas des masses. Tu devrais mettre un sac de couchage dans le. L'ouvrir. Parce qu'il faut laisser l'aérer pour qu'il prenne. Il est déjà dedans. Hein? Non, je vais laisser là-haut. Alors, il est où? Là, c'est là. Il faut qu'il s'ouvre, c'est pour qu'il n'y ait pas l'air. Pour qu'il reprenne du confort. Faut pas l'ouvrir des trucs là. Hein, hein? Je l'enlève pas de là. Hein. Bon. Sors-le, sors-le. Non mais de. Ah non, non, faut le sortir, faut juste. Juste l'ouvrir comme ça, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est juste comme ça que je vais le faire. Faut que tu le fasses sur le côté. Faut que tu le fasses ouvert. Ouvert, voilà, on va ouvert, hop. Je vais le serrer.
Ah, c'est sûr que j'ai vu moi la dernière fois. Oh, j'ai rangé comme ça. C'est ça, je vais vous faire. Et t'as pris les chaussettes, là, les... Ah oui, oui, t'inquiète. Oui, un, tout deux, un, chose. Voilà. Et voilà, merguez avec saucisse blanche qu'on va faire tout à l'heure. Et c'est quoi, une escalope? Ouais. Escalope. Parce qu'on a acheté exprès le... On s'appelle le... les herbes provençales, c'est pas pour rien. Hein. Ouais. Et un pain de campagne style... Blé complet. Blé complet, voilà, style tu manges une tranche... Décalé. Décalé, quoi. On va voir ce que ça donne. Bon, on l'a fait soft, encore une fois. On verra bien. Voilà. Bon, ben, je mets un peu le con, mais bon, on verra rien ce soir. Voilà. Là, il y aura. Voilà, on voit un petit peu. Pour le Julien. Et moi, je suis là-haut. À l'opposé. On voit juste mon sac. Voilà. Bon, demain, je ferai une petite vidéo. Pour montrer ce qu'on a. Et ben, vous verrez pas. Mais il y a un lac ici. Il y a un petit lac. J'ai pêché deux poissons. Voilà. On voit rien. Ouais, on va remettre près du feu, au moins c'est intéressant là. Pas trop grillé non plus, hein. Tu veux laquelle? N'importe. Une qui est pas trop grillée. Hop là. Merci. Tiens, même toi, ça servira de. Bon. Ça, on a pas besoin, hein. Ah, ça, non, pour demain juste. Allez, maintenant faut relancer un peu le feu. Voilà, la bonne braise. Chaud, hein. Voilà. 8h30 de passé. Et monsieur dort encore. Ouais, demain c'est moi qui fais le feu, je serai avant toi, je dors pas la nuit. Hein? J'ai le droit de dormir, non? Ouais, je vais dormir. Ouais, je dors pas de la nuit. Je serai le feu demain.
Alors, pendant qu'on boit le café, à 10h, mieux tard que jamais. Un cousin ? Ouais. Petit café, content. Et ben, il y a un film qui se tourne. Je sais pas si on voit. Enfin bref. Alors, pendant le film, à nous, on a pris le petit café.
Mais franchement, j'ai une bonne idée. Tu vas la refaire, celle-ci. Ah ouais, en plus. Là, c'est toujours le truc chiant, tu vois. T'as tout préparé à la baraque et tout. Moi, j'ai cassé 3 fois hier. Et une fois ce matin. Non, 2 fois ce matin. Bon, après, avec le truc, c'est délicat parce que t'as pas de frein, tu vois. T'as pas de tension. Si c'est vraiment un qui tire d'un coup, ça pète. J'aurais utilisé le bâton. C'est ça que t'as pris, non? Non, je l'ai accroché à l'arbre qui est au-dessus de l'eau. Ah! Là-bas, faut que tu essaies à tirer là-bas. Bah là-bas, je crois, t'es tout. Bon, mais quand je suis venu, j'ai vu du monde là-bas et là-bas. Alors, tu vois. Ça, c'est mes meilleurs. Vas-y, tu peux rien dire. Ben voilà quoi. On a passé une nuit ici. Bon, avec un peu de vent, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on s'est bien amusé. Surtout avec les gros sacs là que vous voyez sur moi. Mais c'est un magnifique endroit. J'ai réussi à pêcher quand même 2 poissons hier. Des petits certes, mais des beaux. Voilà quoi. On a tout bien nettoyé. Regardez, c'est nickel chrome comme ça. Ben sur ce, ben à bientôt. Hein. Voilà quoi. On sait même pas si on est passé par là d'ailleurs. Il y a juste un petit peu de fluidité dans un mouvement comme ça, tu vois. Tu montes un petit peu. Waouh, il s'arrête plus, mon père, ma soeur, un pote. On prend du kiki. Parce que là on est trop haut. Merde, non, non, il va sortir. Attends, déjà je vais arrêter. Voilà, ça marche aussi comme ça, hein, avec ma perche. Voilà, sur le chemin du retour, on a fini, on s'est bien amusé. Après je prendrai un rasoir. Je vais raser à l'extérieur. Ouais, j'ai dû me raser avec Moura, tu vois. Mais quoi, un rasoir spécial comme dans le temps là. Ouais, on peut faire ça aussi. Et les couteaux rasoir, il faut. C'est la fin. C'est la fin de mon calvaire. J'en pouvais plus avec ce sac à dos. Et dire qu'il y avait des ânes. Tu m'aurais loué un âne. C'est bon, mais bon, pourquoi louer un âne quand on en a un gratuit, hein? Ouais. Il s'appelle Rachid. il s'appelle Rachid Balavoine. Je l'ai fait avant toi. J'ai sorti avant toi.